Les gars? Oui? Les gens n'ont pas le droit d'être racistes, hein? En fait, oui, ils ont le droit. Les gens peuvent ne pas t'aimer, peu importe la raison. Ils peuvent te rejeter parce que t'es un garçon, parce que t'es un enfant, parce que t'es sensible, parce que t'aimes pas les sports, parce que t'as l'âme d'un artiste, et aussi parce que t'es un Innu. Et tu sais, mon cœur, ça va arriver. Parfois, les gens ne t'aimeront pas parce que t'es différent. Ils trouveront pas dans leur cœur assez d'espace pour ta différence. Ils riront peut-être de la forme de ton visage, de la couleur de ta peau, de tes cheveux raides, de notre histoire, de nos danses, de nos habits traditionnels, de notre langue. Parfois, ils seront plusieurs et toi, tu seras seule. Et ça te fera souffrir, évidemment. Ça fait souffrir de ne pas être aimé. Mais sache une chose, mon cœur, c'est le seul pouvoir qu'ils auront sur toi. Il n'y a rien qu'ils pourront faire pour t'empêcher d'atteindre les buts que tu te donnes. Les études que tu auras choisies, le travail pour lequel tu postuleras, la femme que tu vas aimer, les causes dans lesquelles tu vas t'engager, les enfants que tu vas élever, les pays que tu vas visiter. Aucune haine ne pourra te prendre un millième de ton avenir. Puis un jour, tu verras, ça viendra. Tu constateras que tout ce que tu fais d'exceptionnel vient de ta différence, parce que tu auras choisi de t'aimer tel que tu es. Bien, le mot proche, c'est sûr que pour moi, ça représente les humains, les gens. D'être proche de ma famille, d'être proche des gens que j'aime. Tu sais, je pense que ce mot-là représente beaucoup ceux qui m'entourent, ceux que je veux proches de moi. Après la pandémie, le mot proche a comme eu une autre connotation parce qu'on s'est rendu compte que il y avait très peu de monde, finalement, avec qui on pouvait être réellement proche, pas avec les règles, tout ça. Ça a développé le fait, je pense, de me rapprocher de moi-même, finalement, de me rapprocher de ce que je désire réellement, de ce que je veux pour mes garçons, pour mon avenir, pour ma carrière, de ce que je veux traiter aussi dans mes livres. Je pense que ça m'a ramené vraiment à ce qui est proche de moi. Je pense qu'avec toute l'action qu'on a dans nos vies, le fait qu'on n'arrête jamais, qu'on est toujours en voyage, ou tu sais, qu'on est toujours sur un projet, que tu sais, tout presse tout le temps, je pense qu'à quelque part, on finit par se décentrer puis oublier un peu ce qui est important réellement pour nous, pour notre bonheur, pour notre bien-être. Puis c'est drôle parce que j'ai choisi pendant ce temps-là de retourner dans ma communauté puis d'aller vivre proche de ma famille. Tu sais, ça a été vraiment comme clair tout à coup que c'est ce que je voulais pour mes garçons, pour moi. Alors, je pense que oui, le mot proche a beaucoup plus peut-être, a plus de valeur, en tout cas pour moi maintenant, après tout ça. Ce que je veux offrir à mes fils, finalement, c'est qu'ils se battent pour s'aimer eux-mêmes, s'accepter eux-mêmes, accepter leurs différences, accepter qui ils sont, leur culture, puis tout ça, peu importe ce que les gens vont dire, parce qu'il y en aura tout le temps de ces gens-là qui ne nous aimeront pas. Fait que pour moi, ça, c'est le bon combat. Puis je voulais comme en parler, le dire aussi, parce qu'on n'a pas de pouvoir sur les autres. C'est vraiment plate comme ça, la vie. On ne peut pas dire aux autres « aimez-moi parce que je suis aimable ». Mais j'ai le pouvoir, par exemple, de dire « je suis aimable et je vais m'aimer, puis je vais m'aimer comme je suis, avec ma culture, puis ses différences, puis ses particularités-là, sa beauté qui est unique. » Puis ça, c'est ça ma force, finalement. Moi, je trouve que la force est là pour les cultures. Puis finalement, le contraire du racisme, pour moi, c'est pas le fait d'aimer tout le monde. Le contraire du racisme, pour moi, c'est de s'accepter soi-même. Je trouve que c'est tellement important pour les jeunes de s'affirmer, tu sais, d'être fiers de qui ils sont, d'être proches de ce qu'ils sont, de leur culture, pas seulement des préjugés ou de ce qu'on leur dit que ce que leur culture est, mais d'être vraiment, de le vivre, leur culture, d'être proche de ça. Nous n'étions plus que quatre, égaux en âge, et un enfant, pareil aux épinettes chétives. Nos baluchons élimés, méconnaissables résidus de l'industrie, nous les remplissions de la seule richesse possible, particules végétales, charpies
et gourdes fragiles comme de l'or. Nous lancions le canot et filions, zigzagant vers le nord, dessinant sur les parois de nos crânes des cartes fictives aux coordonnées instables veinées de bleu. Cul-de-sac, Pessière, ravin, méandre et crue tortuaient un itinéraire sans destination. Nous revenions sur nos pas égarés, nous confondions nos vieilles cendres avec des vestiges étrangers. Personne ne nous suivait, car il n'y avait personne. Le soir, autour du feu ténu, nous cuisions nos prises sur les braises, fermions nos paupières boursouflées sur le ciel éraflé d'étoiles. Il faisait froid. Au milieu, l'enfant, nous à ses côtés, en quinconce, à moitié exposés, à moitié au chaud. Dans cet extrait-là, on suit un très petit groupe de personnes qui est en fuite dans la nature pour échapper à la fin de la civilisation, à la destruction des villes. Donc, ces personnes-là se retrouvent ensemble et doivent composer avec la nature, une nature qu'ils ne connaissent plus, avec laquelle ils ne savent plus vivre. Puis là, ils se retrouvent avec des problèmes comme la faim, la soif, la fatigue. Et puis, ils doivent improviser avec leur environnement pour réussir à vivre dedans. Et puis, la seule façon qu'ils ont de survivre, c'est d'être proches les uns des autres jusqu'au point où est-ce qu'ils deviennent une seule entité ensemble. Tant qu'on ne trouvera pas une façon de faire vraiment de la télépathie, la littérature, ça reste le meilleur moyen de lire dans l'esprit des gens. Donc, on a vraiment accès aux pensées, aux histoires, à l'imaginaire d'autres personnes. Je pense que c'est un outil incroyable pour développer son empathie puis son ouverture d'esprit. Puis en ce sens-là, la littérature permet d'ouvrir sur l'univers des autres. Puis pour cette raison-là, je pense que c'est vraiment important de donner la place à des voix de la diversité pour apprendre à mieux se connaître les uns les autres. L'été s'était achevé dans un fouillis d'immortels et de petits tés. Le bouclier racontait ses chantiers de lave. Nous traînions nos outres dans un paradis de pièges. La fatigue nous gagnait. La nuit venue, nos rêves suppuraient. Nous étions toujours en alerte dans le noir, comme un œil qui guette. Nous héritions de carcasses à demi mangées par les coyotes. Les renards et les ours pillaient nos vivres. Au bout de nos flèches, une terre imbibée d'huile, de grands cratères aux lèvres retroussées. Rien n'était encore gagné. Nous recrachions des insectes, célébrions sans faste des naissances difformes. Le froid. Un crachat se figeait dans l'air. La fumée pondait son miel noir au fond des alvéoles. Nous attendions. La neige en croûte mince sciait les pattes des mammifères. La faim s'installait comme une chenille au creux du ventre. Pensée. Longue tablée, tourbillon gras. Porc grillé, pain frais, potage, gâteau, friture. Déliré à voix haute jusqu'à ce qu'un compagnon nous gifle. Nous nous élancions dans le décor qui se repliait. Vacillons, tombions. Une autre journée sans viande. On me dit aborigène, sauvage, indien, amérindien, autochtone, première nation. Vous, qui dites-vous que je suis? Moi, je vous dis que je suis racine. Sangwatihawe, Atantik, Inon, Laontan, Anunorak, fouille dans mes poches. Remplissent mes poèmes d'arbres, de vent, de neige, de lacs, de rivières, de montagnes qui ont parlé à mon père.
homme d'hier qui a porté un blanc sur son dos dans le portage de sa vie. Au pays des insectes, il a enduit sa peau de graisse d'ours. On l'a appelé Huron parce qu'il puait. Au pays de l'orignal, il a peint son corps d'argile rouge. On l'a appelé sauvage parce qu'il suait. Il a calfeutré son canot de résine, battu le frein à grands coups, tissé sa corde de chanvre. Mon père était chasseur, trappeur, cueilleur, guerrier. Wendat. Écrire pour moi, c'est d'abord le plaisir pour moi que j'espère qu'il va être partagé par les autres. Je suis d'accord pour me donner dans ça, si les autres veulent l'accepter. Mais si ce n'était pas le cas, si un lecteur n'aime pas ça du tout, c'est rien de plus grave. Moi, j'aurais été heureux à écrire. Mon père cachait en lui l'Indien sauvage. Longtemps, il a marché hors sentier. Dans sa chair de vieux, après des années de nuit blanche, il a repris ses rides d'homme des bois. Mon père a sorti de lui ses jours de chasse, ses longues nuits en cabane, le sourire des enfants qui mâchaient la gomme des sapins. Mon père s'est endormi en rêvant qu'il n'avait pas triché. Il nous a quittés dans une plaine de tambours qui bat encore dans mon corps de nomade. Dans des cathédrales aux longues allées, j'ai longtemps prié un Dieu qui ne sent pas les arbres de m'apprendre à rire comme lui. Aujourd'hui, la longue maison de ma vie se peint de vieilles histoires. Dans ma cabane de chair rouge, je lasse des souvenirs en babiche qui portent les peaux et les cornes d'un peuple. J'écoute le grand lac Batistan qui parle de son canot. Dans un décor d'aiguilles de sapin, je fume de l'écorce avec des nuages qui déposent leurs cendres sur ma mémoire. Pour moi, le mot « proche » dans ma lecture, c'est surtout quand je reçois, par exemple, une lettre ou un commentaire de quelqu'un qui me dit qu'il a lu mon livre, puis que ça l'a touché, puis qu'il a trouvé tellement beau, puis qu'il voit des choses que lui aussi vit, qui sont ses propres valeurs. Donc, je crois que même si je ne connais pas la personne, même j'en ai des fois qui... de France, d'Europe, qui vont écrire, qui ont lu mon livre, qui ont aimé ça, bien, à ce moment-là, ils sont très proches de moi parce qu'ils sont très proches de la pensée du livre. Donc, l'écriture, pour moi, c'est à peu près le plus beau cadeau qu'on m'ait pu donner, d'être capable de le faire et d'en faire une partie de ma vie. Je revois grand-mère plissée comme une loutre, grand-père brodé de poils d'orignal, oncle ours qui élève mes frères. Du ciel s'échappent des légendes qui me couvrent d'une huile de vie. Les longs cheveux de grand-mère sentent la fumée d'une longue maison. Les mains ridées de grand-mère portent les traces du travail des peaux. Les lèvres plissées de grand-mère racontent un paysage de foin d'odeur. Grand-mère d'un monde ancien criait des joutes des guerriers. Je me revois dans mes nuits tourmentées. Sur un brin de terre qu'on appelle réserve, le vieux du village dandine, comme le porc-épic qui gruge mon camp au lac Tioui. Le vieux du village sourit dans ses rides, comme si les sentiers d'asphalte bordés d'arbres électriques laissent voir des pistes d'orignal. Derrière les appels du vieux, mes mocassins se mouillent sur ce billet d'occupation qu'on prétend être mon pays.